Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter ARPA-i qui est un navigateur web qui est composé de plein d'IA et qui a des fonctionnalités différentes. En fait, ARPA-i, il a plus de 100 commandes donc, qui permettent par exemple de résumer des vidéos, d'écrire des emails et bien plus encore. Donc n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche si on commence maintenant. Donc, juste avant de commencer, nous venons de créer une newsletter sur l'IA. Donc chaque mois, vous recevrez un audio concernant les nouveautés de l'IA. Donc pour l'instant, la newsletter est en préinscription, c'est-à-dire que nous commencerons le 1er février 2024. Donc obtenez votre accès dans le lien qui est dans la description et on commence la vidéo maintenant. Donc ARPA-i, en fait, c'est une extension de Google Chrome. Donc pour l'obtenir, il suffit juste d'aller dans le Chrome Web Store. Et ensuite, donc on va dans le Chrome Web Store, et ensuite de mettre dans la barre de recherche ARPA-i, et c'est le premier. Donc là, il vous suffit juste de l'ajouter à Google Chrome, on ajoute l'extension, et après, donc là, ça le télécharge, ça prend un peu de temps, voilà, ça prend beaucoup de temps, il vient d'être ajouté, voilà, donc ça, là, ça, c'est l'interface de ARPA-i. Donc, comme vous pouvez le voir, il nous propose plein de choses. Donc là, c'est en anglais. Mais pour l'avoir en français, vous avez juste à aller dans l'icône des paramètres, de descendre, et ensuite, pour les réponses, en fait, au lieu que ce soit en anglais, bah, ça va être en... Vous allez le mettre en français. Voilà. Donc là, maintenant, c'est en français. Seulement pour les réponses, et pas pour chercher et de lui demander quelque chose. Donc là, en fait, ARPA-i, ça vous permet de faire énormément de choses. En fait, c'est comme si vous avez plein d'IA qui sont réunies dans une seule. Et en fait, qui vous permet de continuer à naviguer sur Internet et de pouvoir faire des tâches sans sortir, comme par exemple pour aller sur ChatGPT ou alors sur Bard. Donc là, en fait, il nous dit que on peut avoir accès à plus de 100 commandes en mettant un slash. Donc là, on met un slash. Et ensuite, là, vous avez plein de commandes que vous pouvez faire. Enfin, par exemple, répondre à des emails, réécrire. Voilà, ça c'est écrire des emails, résumer, faire un résumé de vidéo. Et là, toutes ces commandes, elles sont répertoriées. Par exemple, alors, ça peut être en favoris, en productivité, tout ça, en contrôle, en SEO, en commerce, pour écrire, ça, pour écrire des articles. Donc là, en fait, vous avez énormément de choses. Donc dans cette vidéo, je vous en présenter les, pour moi, les plus essentielles qui me servent à moi. Et donc là, on va passer directement à celle de YouTube. Donc en fait, là, celle que je vais vous montrer, ça va permettre de résumer une vidéo YouTube en quelques secondes. Donc là, on va aller sur YouTube. Donc là, on est sur la vidéo de Experimentara, donc 5K qui veut révolutionner 2024. Donc là, on va mettre Alt A. Voilà, Alt A, c'est le raccourci pour arriver à ARPA-i. Ensuite, là, on va mettre le slash. Et ensuite, vous allez mettre YouTube. Et là, ça nous met directement YouTube Video Summary. Donc là, vous avez juste à cliquer. Là, vous avez bien vu, je n'ai pas regardé la vidéo. Donc là, il nous demande... est-ce qu'on veut un texte long, court ou juste un texte ou en forme de note? Donc, on va mettre par exemple en forme de note. Donc, voilà. Donc là, il est en train d'analyser la vidéo et là, il est en train de le faire. Voilà, donc là, il vient juste de nous donner les choses les plus importantes. Voilà, donc là, je viens de vous montrer pour YouTube. Donc maintenant, je vais vous montrer quelque chose d'autre. Et en fait, là, on va faire une recherche. Par exemple, vidéo 2024. Donc là, ça nous met les meilleurs jeux. Et en fait, là, vous allez mettre Alt A pour ouvrir ARPA-i. Et en fait, la recherche que vous venez de faire sur Google, eh bien, ARPA-i vient de la prendre et de rechercher par lui-même. Donc là, il vient et avec les résultats qu'il a fait, en quelques secondes, il vient juste de me donner les résultats les plus pertinents. Donc là, comme vous pouvez voir, il met aussi des recherches qui sont en relation avec ce que je viens de faire. Donc ça, c'est très bien parce que avant il y avait Bard on peut lui demander les meilleurs jeux 2024 et il va nous répondre. Mais là, ARPA-i, on n'a pas besoin de sortir
de la page sur laquelle on est et il nous donne directement bah, les résultats les plus pertinents. Voilà donc aussi une autre possibilité de ARPA AI. Là, toujours Alt A pour avoir accès à ARPA AI. En fait, là, comme si vous êtes sur un site internet avec des articles qui vous expliquent quelque chose. Donc là, par exemple, l'article, c'est 30 métiers CAD qui recrute en 2023. En fait, là, ARPA AI va directement vous proposer de faire des recherches avec l'information qu'il y a sur ce site, mais aussi il peut expliquer ou alors faire un résumé où on peut lui demander n'importe quoi. Donc là, par exemple, on va lui demander, bah, oui, on va lui demander de faire un résumé. On va faire un long résumé. Voilà, donc là, voilà, donc ça prend pas beaucoup de temps. Voilà, donc, et aussi là, comme on l'a mis en français, bah, ça va directement répondre en français. Voilà, donc là, il nous donne, je vais pas tout vous le dire, mais il nous donne le résultat de, enfin, il nous a résumé la page. Là, vous pouvez lui demander d'être plus clair. Clarity. Donc là, voilà. Donc là, c'est juste, c'est encore plus clair. Donc voilà. Donc là, vous pouvez faire ça pour n'importe quel site. Donc et après, il y a plein de possibilités. Vous pouvez choisir. Donc il y a ça. Et donc là, voilà. C'est tout. Ça, c'est tout pour pouvoir avoir un résumé, pour voir plein de commandes sur des pages sur lesquelles vous êtes. Donc là, on est sur le mail. Donc là, c'est quand on crée un compte sur le Google AI Studio, donc pour avoir accès à Gemini Pro. Donc là, vous recevez un email comme ça. Et là, donc normalement, il n'y a pas besoin d'y répondre. Mais là, on va faire le test avec ARPA AI. Donc là, on va mettre Alt A. Donc là, déjà, il comprend directement qu'on est sur un email. Donc il nous propose de répondre, de résumer l'email, ou alors d'en écrire un nouveau. Donc si vous mettez slash compose, en fait c'est pour écrire un email donc sans avoir reçu un email auparavant. Et si vous voulez mettre slash reply, ça c'est pour répondre. Donc là on va tester la fonctionnalité de répondre. Donc on va mettre reply. Et là il nous demande, donc là il nous dit est-ce que vous, enfin comment est-ce que je réponds? Donc ça peut être en étant d'accord ou alors pas d'accord. Donc de demander de clarifier, tout ça, de poser des questions aussi. Donc là on va mettre ouais, on va mettre qu'on est d'accord. Donc là il vient, il écrit. Donc là comme c'est une information que Gemini vient d'être on vient d'avoir accès à Gemini et donc qu'on vient de le débloquer. Et là, il vient juste de faire en deux lignes, parce qu'il n'y a pas assez de sujets à écrire, enfin, pour écrire. Voilà, donc après, il peut aussi vous écrire, vous pouvez traduire, vous pouvez mettre des émotions dans le texte au fur et à mesure. Donc, vous pouvez le retravailler l'email que vous faire ça. Donc ça, vous pouvez le faire avec n'importe quel email que vous recevez. Voilà, donc quand vous êtes sur ARPA, là, en fait, ARPA utilise ChatGPT 3.5, mais vous pouvez le changer. Donc là, vous allez directement ici. Donc là, en fait, il est utilisé par défaut. Donc vous pouvez, si vous avez payé pour ChatGPT 4 ou pour un modèle plus avancé, donc avec une, donc vous allez obtenir une API, donc la clé API, en fait, qui permet de relier ChatGPT dans ce cas-là, donc ChatGPT à ARPA AI. En fait, là, vous allez mettre l'API et donc là, vous allez le choisir. Donc là, par défaut, c'est ChatGPT, mais là, il y a par exemple, il y a Bard, donc Bard qui est gratuit. Donc là, on peut sélectionner Bard. Donc là, c'est-à-dire que les réponses, bah, ce sera, en fait, ça va demander directement à Bard. Donc comme je vous l'ai déjà expliqué, au lieu d'aller sur Bard ou sur ChatGPT et de poser la question, bah, vous allez, ça va directement être inclus dans la recherche. Ou alors, vous pouvez aussi utiliser Claude AI. Là, on va changer un peu, on va utiliser Bard. Donc voilà. Voilà. Donc là, maintenant, je vais vous montrer une autre fonctionnalité. Donc là, vous pouvez voir, hein, il y en a énormément. Il y en a vraiment beaucoup. Il y a d'apprendre, d'écrire, tout ça. Donc là, on va mettre par exemple écrire. On va mettre apprendre
Là, vous pouvez créer des lyrics de les paroles d'une chanson. Vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez créer des quiz. Vous pouvez aussi l'IA que je vous avais montré, donc Umata, qui permet d'extraire l'information de PDF. Ou avec ArpaAI, vous pouvez aussi le faire. Donc maintenant, en fait, là, c'est toutes les IA, toutes les fonctionnalités des IA qu'on a eu. En fait, on a pioché les IA dans différentes IA pour avoir les meilleures performances. Mais là, toutes ces performances et toute la connaissance des IA, bah, elle est intégrée dans ArpaAI. Donc ça, pour moi, c'est ArpaAI, ça va être l'IA, ça va être le navigateur, enfin, l'assistant, ça va être l'assistant qui va être le plus utilisé. Et peut-être que ChatGPT, bah, on l'utilisera beaucoup moins. Mais après, il faut aussi le temps que ça se sache et que bah, les gens commencent à l'utiliser. Donc voilà, donc là je vous ai à peu près tout montré. Donc enfin je vous ai montré l'essentiel. Après je vous laisse découvrir par vous-même hein, parce qu'il y a plein de commandes. Et aussi je vous recommande bah, d'utiliser les commandes en fonction de ce que vous avez besoin.